Quelques instants avec vous-même. Nous accueillons Justin Murizier en direct de Bruzon. Justin, vous avez terminé 15e et meilleur Suisse lors du géant d'ouverture de Solden. Malheureusement pour vous, vous êtes ensuite blessé au ménisque du genou droit. Conséquence, 4 semaines de pause pour vous. Première question, comment se déroule cette convalescence? Alors bonsoir, la convalescence se passe très bien pour l'instant, j'ai pas beaucoup de douleur à mon genou, mais bon bien sûr je dois suivre les étapes, donc c'est clair que j'ai quand même encore 2 semaines devant moi où je peux pas faire tous les mouvements et je peux pas encore recommencer le ski. Les blessures, vous connaissez, vous avez déjà vécu 2 saisons blanches, vous avez que 23 ans, des blessures également au genou droit. Au niveau de la motivation, est-ce que vous avez déjà pensé à dire stop? Non, au contraire, je pense que ces blessures, elles m'ont rendu plus forte. En plus, chaque fois que je suis revenu à un meilleur niveau qui était le mien auparavant. Donc, ça prouve que j'ai eu raison de ne pas dire stop. Et je pense que dans une carrière de skieur, avec le matériel, avec aussi les conditions d'entraînement qu'on a, on sait que les blessures, ça peut arriver tous les jours, même au meilleur. Et donc voilà, faut faire avec et surtout pas baisser les bras. Justement, pour prévenir les blessures, vous vous êtes attaché les services d'un préparateur physique et pas n'importe lequel, Florian Lorimier, qui a également œuvré pour Didier Cuche. Alors nous sommes allés vous trouver à l'entraînement il y a quelques jours, la veille d'ailleurs de votre opération. Le sujet est signé Gaël Cageux, Fabienne Vallée et puis Rénal Bussien. Et à la bagarre, Justin Murizier. Fantastique finish. Ah, c'est très très important pour les points Coupe du Monde, pour la confiance. Là, on va en direction de Neuchâtel, chez mon entraîneur physique. J'ai commencé à vouloir travailler avec lui parce que je sentais qu'il y avait vraiment un manque de ce côté-là. J'étais pas assez suivi, j'avais besoin de quelqu'un pour me motiver. Peut-être depuis le mois d'avril, je viens 3 à 4 fois par semaine chez Florian pour être à la pointe physiquement. Sa faiblesse du dos, ça c'était la priorité déjà pour faire la fondation. Et puis après, bien sûr, il y a eu ses opérations du genou les 2 dernières années, donc il fallait aussi retrouver la fonctionnalité complète de son genou. Et puis petit à petit, on a intégré vraiment un travail de condition physique et de préparation physique assez général dans un premier temps. Puis après, on a commencé un petit peu à venir de plus en plus spécifique. Salut beauté. Avec Didier, on avait discuté en 2011 au championnat du monde à Garmisch que moi, c'est vrai que lui, il voyait un potentiel en moi, mais il trouvait que physiquement, j'allais pas dans la bonne direction. Il a fallu 2 blessures et puis une année de galère pour me rendre compte que vraiment c'est de ce côté-là que je pouvais progresser beaucoup. Donc j'ai suivi ses conseils. Depuis 2001 jusqu'à 2012, que j'ai travaillé vraiment à temps complet avec Florian. J'étais solide physiquement, mais j'étais aussi solide sur les skis. Et je pense que c'est aussi ça qui a convaincu Justin et de faire le chemin, de se dire « Ok, j'investis ce temps-là, j'investis aussi cet argent-là. » C'est pas non plus des fortunes, hein. Il y en a qui gagnent ça en un mois. Mais pour moi, ça faisait quand même quelque chose. Je pense sur la saison 15 000 francs, donc c'est déjà une somme qu'il faut sortir. C'était un peu un risque, mais d'un autre côté, j'ai posé le pour et le contre. Je me suis dit, il suffit que je fasse un résultat l'année prochaine, et puis j'aurai remboursé ce que Florian me demande. Voilà, on essaie encore 15 ou 30 secondes. Forcément, je vais exiger beaucoup de lui. Enfin, il attend ça aussi de moi, hein, que j'exige de lui, que je le pousse aussi plus loin que ce qu'il serait peut-être capable d'aller seul, même s'il a beaucoup de volonté. Donc, pour exiger, il doit aussi avoir confiance, justement, foi en mes demandes. J'ai fait de grands progrès, en tout cas, j'ai beaucoup moins de blessures au dos et je me sens aussi mieux personnellement. Alors Justin Murizier, excusez par avance cette question, on va dire, d'un profane, d'un non-skieur. Vous choisissez cette préparation spécifique avec Florian Lorimier, mais vous vous blessez quand même. Il n'y a aucun regret dans votre choix? Non, je pense qu'il n'y a pas de regret. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. On dit on va se préparer physiquement pour éviter la blessure. On essaye de trouver quelqu'un. Mais je pense que ça ne vient pas du tout de son côté, ni de mon côté, parce que j'ai vraiment travaillé juste physiquement. Je me sens beaucoup plus en forme qu'auparavant. Mais c'est vrai que lors des premières opérations au genou, vu que je me suis fait déjà opérer 2 fois au genou droit,
on avait remarqué une petite liaison au ménisque. Et puis je pense qu'avec voilà, toutes ces manches qu'on fait pendant l'été, pendant 2 ans ou 3 ans de suite maintenant, mon genou il a quand même un peu souffert et le ménisque ben, il a lâché au mauvais moment. Mais bon, j'ai quand même une petite pause maintenant, donc c'était quand même une bonne période pour opérer ce genou. Justin, vous faites ce choix de vous entraîner, de vous préparer avec Florian Lorimi en dehors des structures de Swiss-Ski. Vous n'aviez pas votre compte à l'intérieur même de l'équipe. C'est vrai que de ce côté-là, je pense que c'est un peu plus difficile pour Swiss-Ski de proposer un entraînement comme Florian nous propose, parce qu'eux, ils nous proposent un entraîneur pour 8 athlètes. Donc, c'est clair que c'est difficile d'avoir contact avec l'entraîneur tous les jours. Il ne peut pas suivre toutes nos répétitions. Tandis que Florian, il est là, il voit mon progrès, il voit aussi mes défauts à toutes les répétitions de mes entraînements. Et puis, c'est ça qui me manquait vraiment. C'était quelqu'un qui me suive tous les jours pour m'aider à progresser vraiment, même que les progrès sont des fois minimes. Justin, nous avons sur ce plateau le chef alpin, le tout nouveau chef alpin, Stéphane Catin. Qu'attendez-vous de lui? Ah, j'attends beaucoup, j'attends qu'il m'amène sur les podiums. Non, je pense que voilà, c'est difficile pour lui et pour nous. Ben, comme vous avez dit, même vous ne saviez pas exactement sa tâche. Et nous, ben, on n'a pas vraiment contact directement avec lui. On a contact d'abord avec nos entraîneurs sur la piste. Donc pour nous, les stratégies et tout ça, on n'en tient pas compte. Nous, notre but, c'est de nous entraîner, de suivre un peu la ligne de nos entraîneurs. Moi, je pense que ce que vous en faites un drame, nous, on n'en fait pas, parce que c'est clair que depuis 2012, voilà, il y a un petit peu un petit trou à Swiss-Ski, mais pas non plus incroyable. On a quand même un champion du monde l'année passée avec Kung. Donc, je sais pas, c'est clair que ce n'est peut-être plus les belles années de l'époque où il y avait 5 dans les 10 premiers en géant, mais il y a quand même une belle relève. S'il y a un trou de 2-3 ans maintenant, on est beaucoup, beaucoup de jeunes maintenant. Donc, je pense que ce trou, il va être vite comblé et on ne va plus en reparler de ces 2-3 ans de passage à vide. Les propos empreints d'optimisme dont on vous remercie évidemment, Justin Murizier. On vous souhaite le meilleur pour votre revalidation. On espère vous revoir sur les skis, évidemment, dès la tournée américaine. Merci beaucoup, Justin. Je me retourne vers vous, Stéphane Catin. Vous avez entendu sa requête. Amenez-moi sur un podium. Oui, j'ai bien entendu. On va s'attacher avec toutes les équipes, bien entendu, qui sont en place pour aider au maximum nos athlètes pour atteindre leurs objectifs. Blague mise à part, donc il y a cette préparation que Justin a choisi de faire, préparation privée. C'était déjà le cas de Didier Cuche. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les rouages de Swiss-Ski ou ça n'est juste qu'une logique et qu'un complément? Je dirais que c'est une logique et un complément parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau où les athlètes utilisent un système privé pour s'entraîner de manière très personnalisée. Il est vrai aujourd'hui que pour nous, il est délicat d'avoir un entraîneur de condition physique par athlète et de les suivre à la maison et de les suivre dans le privé. Lorsqu'ils sont avec les équipes, bien entendu, ils sont entourés d'un entraîneur qui gère une équipe. Donc clairement, c'est un complément.